Salut tout le monde, il fait un temps splendide ce soir. Pour commenter cette rencontre, Pierre Ménès est à mes côtés. On espère avoir un excellent match de football, ça devrait être le cas a priori. On espère. Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites hein, qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous l'attendez cette rencontre, eh bien on va vous la faire vivre. Pierre Ménès et moi, Hervé Matou, avec un immense plaisir, c'est sûr. On devrait assister à une belle partie, Pierre. Allez, parfois les joueurs jouent plus libérés en amical. Thank you.
Quelle belle soirée vraiment, quelle météo idéale pour jouer au football ou pour en regarder, comme ça va être le cas pour vous. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot. Il devrait y avoir du spectacle, on l'espère. Eh oui Hervé, je crois qu'on va peut-être enfin avoir droit à 90 minutes de foot comme on l'aime. Rapide, technique, offensif, enfin tout, quoi, tu vois. Il s'avance vers la surface. Montolivo. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Allez, il faut le mettre celui-là. Il l'a frappé, il a été contré. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et la bonne sortie du gardien. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Montolivo. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Cherche une solution là. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Cadeau. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, il renverse le jeu. Montolivo. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Il vient au duel. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Cherche une solution. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Et le ballon au fond, l'ouverture du score dans ce match. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le ballon intercepté dans l'entrejeu. Gay. On écarte le jeu. On cherche un partenaire encore. Ça circule bien. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oh, c'est contré ce tir. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Le bon ballon en profondeur. Oh, la faute, penalty,
Faute dans la surface. Oh, l'entraîneur est foudra, Gervais, les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Et il trompe le gardien sur ce pénalty. Oui, alors même au ralenti, je t'avoue, j'y comprends pas grand-chose. Le gardien était sur la trajectoire, mais le ballon passe quand même. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ballon perdu. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Ce sera une touche après ce tacle. Oh, le gros exploit personnel, attention. Et le gardien au but. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Oh là, faut venir l'aider parce qu'il est sous pression. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et le but ! Eh oui, ça a touché le poteau et c'est rentré. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. La fin des 45 premières minutes qui ont été prolifiques puisque le score est déjà de... Et c'est donc parti pour la seconde période. On va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Ce ballon qui est intercepté au milieu de terrain. Montolivo. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Défenseur qui enraye cette action. Vetclo. Montolivo. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Heureusement qu'il a été dévié. Ah oui, le tir. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon, provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Et vous le voyez au tableau d'affichage, ça fait donc 4-1. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? C'est manqué, c'est peut-être pas loin du cadre. Ouais, le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. Le ballon qui file en touche. C'est un adversaire qui récupère cette passe.
Ah, le ballon qui est finalement perdu. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Oh, que c'est mal défendu. C'est pas évident hein, de sortir ce ballon proprement. Ah, la bonne qualité de ses passes. On en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty. C'est mieux quand on regarde les actions. Ça, c'est donné à l'adversaire. Non, elle est interceptée, cette passe. Le ballon récupéré sur cette intervention. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et ça continue, au corner. Il est bien tiré le corner là. Il vient placer une tête imparable. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Attention, s'il vous plaît, on demande Madame Briand de tout une chose. Madame Briand, merci. Équipe visiteuse. Et Kerr a réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné. Hein. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travées. Hein. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Montolivo, allez, peut-être une bonne occasion. Il va être à bout portant. Oh, c'est un but! Le but qui était vide! Et ces images pour nous montrer ce qu'il faut vraiment appeler un but tout fait, Pierre. Oui, parce que quand t'as pas un gardien dans le but, c'est quand même plus facile. Hein. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah, ça peut être dangereux, hein, ce pressing-là. Allez, ils vont jouer la touche. Il faut qu'il centre là. Il faut trouver l'ouverture. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Trouver une option disponible. Elle est contrée cette frappe. Montolivo. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, ce ballon qui est intercepté au milieu de terrain. Ouais, je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Montolivo. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Gay.
Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé, alors je signalais. Montolivo. Oh, l'occasion! Et voilà, ça fait donc 3 points pour eux. On va donc éviter de les enterrer.
Salut à toutes et à tous, bienvenue ici au Kian Prince Foundation Stadium à Londres. Condition parfaite. Pierre Ménès et moi-même, nous allons suivre cette rencontre pour vous. C'est du grand spectacle hein, qui est attendu, Pierre, aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été super fan des matchs à micro, mais si ça joue bien, c'est déjà ça. Le tir, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Ouais, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Perd le ballon. Montolivo. Le long de la ligne de touche. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, joli contre du défenseur. Elle a complètement manqué son tir. Va être clos. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Peut-être une bonne opportunité, attention. On écarte le jeu. On va pouvoir centrer. Allez, ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Ah, il est bien tiré le corner là. C'est prolongé de la tête. Et on a dégagé pour écarter le danger. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, le ballon qui est dégagé. Oh, il était temps d'intervenir là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Attention Paul Beckler. Please report to guest relations for an important message. Interception. To guest relations, please. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Un mauvais ballon, ça. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Montolivo. On écarte un petit peu le jeu. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Oh, le cadeau. Après cette petite phase de possession, il perd finalement le ballon. Benzema. On perd de la balle. Oh, il est bon. On s'approche de la zone de vérité. Oula, il fallait intervenir urgemment.
Il continue sa progression. Encore un ballon perdu, hein, décidément. Intercepté. Il a récupéré le ballon sur l'aile. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Well, full British referee, Hervey. Il cherche des solutions, là. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. J'ai parlé un petit peu vite, je crois. Ça va devenir compliqué pour lui, là. Il est bien placé, il peut centrer. Ce serait une touche, mais ça aurait pu être un corner. A complètement raté cette passe. Il a perdu. Antolivo. Attention, ça peut être dangereux. Ça, c'est donné à l'adversaire. Il faut bien circuler le ballon. Ils sont patients. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon ? Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Ouais, très bon duel défensif. Bien joué. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Les supporters qui sont... Le match reprend à l'instant, début donc de la seconde période. Il avait bien senti le coup. Oh, ça, ça peut être dangereux. Il progresse vers le but. Le ballon qui est sorti, ça va être une sortie de but. Antolivo. Le ballon qui change de camp. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Il donne en retrait. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Antolivo. Va être clos. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Ouais, il avait tout compris, là, le défenseur, bien vu. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. La touche. Allez, le centre maintenant. Heureusement qu'il était là. Il s'infiltre, attention. Ouais, il est bien lu de jeu. Ah,
Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Vetklo. Montolivo. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Le ballon va être en touche. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Centre peut-être, allez. Il récupère le ballon sur cette interception. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Ah, il est passé, il file vers le but. Ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Ah, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ballon remonté sur l'aile. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Oh oui, magnifique! Oh, le ciseau, c'est splendide! Fantastique, le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but! Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Montolivo. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ils ont vraiment décidé à revenir dans ce match. Allez, ils vont jouer la touche. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. On perd de la balle. Ouais, lumineux cette passe. Oh oui, ça entre. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Ah non, le ballon est perdu. Attention, ça peut devenir intéressant. Entrée. Ils vont pouvoir jouer la touche. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Ouais, bien sûr qu'il y a faute. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Montolivo. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Ouais, c'est un ballon perdu. Benzema. Ça doit être difficile hein, quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement, ils sont dominés. Moralement, c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. Il perd le ballon. Il a perdu bêtement. Bon, finalement, ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré. Et puis là, c'est tout le contraire. Les joueurs doivent être les premiers surpris. Hein. Ah oui, le bon ballon, là. Oh, il a sauvé son camp hein, sur cette action. Le coup de sifflet final. Et hélas pour eux, une relégation qui fait de moins en moins de doutes. Ouais, nouvelle défaite. Ça commence évidemment à faire beaucoup. Et très franchement, c'est difficile de ne pas l'imaginer condamné.